innamorato di Asobo Cigalori. Io sono appassionato, io sono sguardo colori. O quanto a prega a me, sapissi ti emozioni. Donna compagno cinè, in tutto l'urdioni. Come va, mi s'affoga timidezza, quale chi mi può dare cura, giù da mo salvezzo, corso io disgraziata, chi di pure si parla, che rusia ringraziato di un le mi aiuta, che da mio da badà. Che la mi posi accanto, manco più parla un po' su. E da su sorghi un canto, mi un giro trema addosso. Di un somo scudi violi e un aspetto a vampata. A uso anciu ligori, mi faccio un'ambriagata. Come va, mi s'affoga timidezza, quale chi mi può dare cura, giù da mo salvezzo, corso io disgraziata, chi di pure si parla, che rusia ringraziato di un le mi aiuta, che da mio da badà. La fa carontano, nisci misci un bupetto, poi so passi signorano, un ferma più che rigretto, ma sempre aspetta domani, sarà forse io rusando, mi pidarà domani, chi aspergo tanto e tanto. Come va, mi s'affoga timidezza, quale chi mi può dare cura, giù da mo salvezzo, corso io disgraziata, chi di pure si parla, che tu sia ringraziato di un le mi aiuta. Come va, mi s'affoga timidezza, quale chi mi può dare cura, giù da mo salvezzo, corso io disgraziata, chi di pure si parla, che tu sia ringraziato di un le mi aiuta, che da mio da badà. C'est une filière qui, à mes yeux, est particulièrement intéressante dans la mesure où ceux qui pratiquent ou qui pratiquaient l'apiculture ont décidé, premièrement, de se regrouper, ce qui n'est pas toujours facile chez nous. Deuxièmement, l'union faisant la force, d'approfondir leur sujet sur le plan strictement scientifique avec des recherches tout à fait particulière sur l'abeille insulaire. Technique ensuite, comment on traite le produit de la meilleure façon possible. Et enfin, de rechercher les meilleures voies pour parvenir à une activité qui soit lucrative et qui permette d'en vivre. Tout ceci, tout ce travail a été récompensé par l'obtention d'une AOC devenue AOP, autant que je me souvienne, et aussi le prêt, c'est grossièrement, enfin, à grands traits du moins, la même chose, mais c'est une garantie de typicité, de qualité du produit, rattaché à un territoire, à un terroir, comme on dit, et c'est un gage de réussite à tout point de vue. Alors, je ne vais pas développer davantage tous ces éléments. Je vous indiquerai seulement qu'à mes côtés, M. Thor est le président de la filière sur le plan régional. M. Mar est un apiculteur distingué depuis longtemps, vice-président, je crois. Ancien président, de surcroît. Et surtout, la cheville ouvrière de la filière, Mme Méjean, Jennifer Méjean, à qui je donne très volontiers la parole, après toutefois, que M. le président régional vous ai donné son point de vue. Si on reprend l'historique par rapport aux années
récente, parce qu'on peut remonter très loin dans l'Antiquité, l'apiculture a toujours existé, elle a toujours été en Corse, il y a même un texte disant qu'on a retrouvé des Grecs, disant que même leur miel est amer. C'était les terrages, oui, ça sentait pas mauvais, c'était pas comme le suif ou l'huile qu'on brûlait. Bon, donc c'était complètement, ça avait complètement disparu du circuit, qui a permis de relancer la formation et de relancer l'apiculture. Là, c'était un peu le problème parce qu'on n'avait pas de référent, on n'avait pratiquement plus personne pour nous dire ce qu'il fallait faire, comment ça fonctionnait. Donc, les premiers, on était les pionniers à essayer un tas d'endroits, un tas de choses, d'arrêter. Donc, il fallait plutôt penser, il fallait penser à mettre tout ce qui n'est pas interdit, autorisé. Donc, il fallait réfléchir à tout ce qu'on allait mettre là-dessus. Pour ses caractéristiques, c'est qu'elle a une langue un peu plus longue que les autres. Je me rappelle la présentation que faisait notre ancien animateur, c'est comme un pont. Donc, d'un côté, on avait la formation, il y avait les. Comment ça s'appelle? Voilà. J'étais tout préparé, regarde. La formation, en pied de route, on avait l'appellation. Et nous, il nous a manqué pendant des années, c'était l'autre partie, la promotion et la commercialisation. Qui puisse fournir, récompenser le travail d'apiculteur. Aujourd'hui, on a plus de 350 ruches. Pour gérer toute la sélection, la Corse, avec une répartition quand même à peu près deux tiers haute Corse, un tiers Corse. Les barres orange, ce sont les tonnes de miel, et vert, ce sont les noms d'apiculteurs. L'Italie commence. Parce qu'à Etina, en plus, le petit propriétaire, lui, il est en Italie. Le Calabre. Ouais. Et alors lui, il peut bien sûr arriver s'il y a des importations de ruches ou quoi que ce soit. Et ils vont. Vous savez, les abeilles, nous, on est allés. Si, allez-y, vous avez dit quelque chose. C'est le cycle de vie d'une reine d'abeille. Le cycle de vie d'une reine. Mm-hmm. Ok. Je ne peux pas répondre.